Voilà, bonjour à tous. Donc, je vous propose d'utiliser OBS Studio pour enregistrer votre écran et votre présentation. Alors, il faut aller dans la fenêtre de téléchargement de OBS qui est gratuit sur obsproject.com et puis donc cliquer sur la version d'OBS Studio que vous désirez. Une fois que vous cliquez, un téléchargement donc se lance et une fois que le fichier exécutable est téléchargé, vous pouvez le lancer en cliquant dessus. Vous acceptez évidemment de l'installer et vous cliquez sur les différentes phases qui vous permettent de l'enregistrer. Vous acceptez évidemment la licence, vous faites Next, vous la vous gardez par défaut et puis vous cliquez sur Install. Je ne vais pas le faire puisque en ce qui me concerne, OBS Studio est déjà installé. Alors, oui, je suis sûr de vouloir quitter OBS Studio. Alors, je peux le lancer. Ben, il est déjà lancé ici, non. Je vais faire cancel. Je ne sais pas ce que ça fait là, ça aussi. Yes, voilà. Donc, mon OBS Studio est déjà. Donc, je l'ai déjà mis sur ma barre des tâches, ce qui me permet épinglé sur la barre des tâches, ce qui me permet de le lancer directement depuis la barre des tâches. Mais si vous ne l'avez pas encore épinglé devant, si vous n'avez pas encore lancé OBS Studio et que vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours aller dans ici, puis taper OBS Studio et l'application devrait apparaître. Vous faites entrer et le tour est joué. Voilà, donc normalement, vous n'aurez pas de scène donc, quand vous allez lancer OBS Studio la première fois. Donc je vais supprimer en fait ce truc-là et normalement vous allez lors de la première exécution de ce logiciel, vous allez arriver dans l'assistante de configuration automatique qui, comme vous l'avez vu, peut être lancée à n'importe quel moment. D'accord? Donc l'assistante de configuration automatique, dans un premier temps, vous allez devoir choisir ici parmi trois possibilités. Ben, il faut choisir celle du milieu, optimisée pour l'enregistrement. Et donc après vous faites suivant. Alors là, il y a la résolution de votre écran. Hein. Il faut pas, on ne va pas créer une vidéo avec une résolution trop grande, parce que sinon, ça va faire de très très gros fichiers. Alors, ce qu'il faut faire avant même de lancer OBS Studio, mais si vous ne l'avez pas fait avant, ce n'est pas grave, c'est aller dans les paramètres de votre ordinateur et dans les paramètres display, donc affichage, et choisir ici donc une résolution de 1280 x 720. Ce sera largement suffisant pour faire une présentation. Voilà, donc ça il faut le faire et accepter évidemment le changement au niveau de votre ordinateur. Alors, il ne faudra pas oublier quand vous aurez terminé votre vidéo de revenir évidemment à la résolution native de votre écran, hein, ce sera quand même beaucoup plus agréable. Mais pour faire la vidéo, bah, passez en 1280 x 720, ça vous permet d'avoir vraiment votre écran qui correspond à ce que vous allez enregistrer et ce qui sera disponible donc dans votre vidéo. Alors, vous gardez tel quel, donc 1280, où vous choisissez l'écran 1 qui sera normalement à la bonne résolution 1280 x 720. Le nombre d'images par seconde, ben 30, ça suffit largement pour faire une présentation. Vous cliquez sur Suivant, vous cliquez Appliquer les paramètres et vous êtes normalement, vous avez donc les bons paramètres a priori. Vous pouvez encore une fois relancer l'outil de configuration à n'importe quel moment. Donc en allant dans Outils, Assistant de configuration, et je pense qu'il est important aussi d'aller dans Paramètres au moins une fois, même en particulier si votre logiciel OBS Studio n'est pas en français, vous pouvez le mettre en français ici, il faudra le relancer par la suite. La fenêtre Stream, on n'en a pas besoin. La fenêtre Sortie ici, il faut ici, en fait, ça c'est important, donc dans Sortie, préciser le répertoire dans lequel vous allez enregistrer les vidéos. Donc c'est quand vous allez vous enregistrer. OBS Studio va créer un fichier vidéo à ce répertoire ici que vous indiquez. Voilà. Donc ensuite au niveau de la qualité de l'enregistrement, donc vous voulez pas d'énormes tailles de fichiers, des grandes tailles, tailles de fichiers moyennes. Bon, écoutez, après de toute façon vous allez regarder votre vidéo voir si elle vous convient ou pas. Moi voilà, on peut travailler dans haute qualité, taille de fichiers moyenne, si cela voilà, cela peut convenir. Voilà. Si éventuellement la qualité ne vous plaît pas, vous pouvez toujours essayer qualité indistinguable, grand tas de fichiers. Mais encore une fois, ne créez pas, vous allez créer des présentations d'une quinzaine de minutes. Il ne faudrait pas que votre fichier excède les 20 mégaoctets ou 30 mégaoctets, 40 mégaoctets, grand maximum. C'est vraiment, ça commence vraiment à être beaucoup quand même pour une présentation de 15 minutes. Voilà, donc matériel encodeur, matériel QSV, ben, je vous avoue que je ne sais pas trop. Moi, je sais pas, voilà. Vous pouvez laisser a priori les options par défaut. Vous pouvez mettre logiciel X264 si vous ne savez pas.
ça fonctionne a priori très bien. Donc au niveau du son, ben là vous avez le choix entre 44 et 48, choisissez 48 hein, pour avoir un bon son. Vérifiez que votre entrée audio correspond bien à votre microphone. Alors si vous avez le microphone qui est intégré à votre ordinateur, c'est pas bien grave. Mais si vous avez comme moi un microphone donc USB, ben vérifiez que c'est bien lui qui est sélectionné. Au niveau de la vidéo, ben normalement tout devrait être bon. Voilà. Et puis c'est terminé, hein. Vous pouvez donc fermer la fenêtre. Il va vous demander si vous voulez enregistrer les modifications. Il faut dire évidemment oui. Voilà. Et donc vous arrivez à différentes scènes. Vous n'en aurez ici qu'une seule, a priori, qui s'appellera scène. C'est la scène par défaut, qui est vide. Donc là, il faut préciser un petit peu ce que vous voulez enregistrer. Et donc, qu'est-ce qu'on veut enregistrer? On veut enregistrer donc notre écran. On veut faire une capture d'écran. Donc vous allez cliquer sur plus ici, et puis capture d'écran. Donc là, vous faites OK. Et vous faites une fois encore OK, sachant que vous avez bien cliqué ici sur capturer le curseur, puisque vous allez vouloir évidemment certainement utiliser votre curseur lors de votre présentation. Donc vous faites OK et voilà, vous êtes prêt pour démarrer un enregistrement. Pour démarrer l'enregistrement, c'est ici, vous faites démarrer un enregistrement. Alors ça met un peu de temps, mais c'est pas grave, hein. Et puis là, bah, vous êtes enregistré, alors vous pouvez aller dans votre fenêtre présentation en faisant Alt Tab. Voilà, par exemple OneNote ici, et puis vous pouvez écrire ce que vous voulez, voilà, dans votre faire votre présentation en plein écran, évidemment, hein. Voilà, vous choisissez le plein écran et vous avez votre voilà, vous enchaînez faites votre présentation vidéo. Une fois que vous avez terminé, ben, vous quittez le plein écran. De nouveau Alt Tab, vous allez retourner chez OBS, vous faites arrêter l'enregistrement. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez aller dans le répertoire. Vous pouvez aller, pardon, dans le répertoire donc OBS Studio pour Chimie que vous avez créé. Et vous voyez donc ici 18h36. Vous voyez donc la vidéo que je viens de créer. Elle est là. Je peux la lancer. Alors ça met un peu de temps, mais c'est pas grave, hein. Et puis là, bah, vous êtes enregistré. Vous pouvez aller dans votre fenêtre présentation en faisant Alt Tab. Voilà, par exemple OneNote ici, et puis vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, donc Voilà, n'hésitez dans pas à votre aller regarder votre vidéo, hein, c'est important. Ne nous envoyez pas une vidéo que vous n'avez pas regardée avant, ce serait un peu bête. Voilà, et bah, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir. Hein, à tout moment, vous pouvez redémarrer un enregistrement et puis refaire une autre vidéo si ça ne vous convenait pas. Mais bon, je vous conseille donc de faire une seule vidéo de 15 minutes en une seule fois. Hein. Donc c'est pour ça que je vous montre pas ici de logiciel de montage. Hein, je pense qu'il n'y en a pas vraiment besoin pour faire voilà, faire ça. Si vous vouliez éventuellement vous enregistrer visuellement, bah vous pouvez rajouter dans votre scène donc une capture. Capture, c'est quoi déjà? C'est un périphérique de capture vidéo. Et puis voilà, donc OK. Et vous voyez, donc vous me voyez apparaître. Donc vous faites OK, hein, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à régler là-dedans. Et alors vous allez pouvoir ici régler évidemment la taille de votre capture vidéo. Vous allez pouvoir la déplacer sur votre écran où vous voulez. Et quand vous allez enregistrer maintenant, ben vous allez également vous enregistrer. Donc évidemment, ça peut avoir un intérêt, mais là je ne vous conseille pas de le faire pour votre présentation. Je crois que ça ne servirait pas à grand-chose. Voilà, c'est très bien comme ça, sans capture vidéo. De votre donc sans capturer votre visage. Donc là vous faites arrêter l'enregistrement et on peut vérifier que la vidéo que je viens de créer contient, voilà, elle est ici enregistrée. Donc évidemment ça peut avoir un intérêt, mais là je ne vous conseille pas de le faire pour votre présentation. Je crois que ça ne servirait pas à grand-chose. Voilà, c'est très bien comme ça, sans capture vidéo. Voilà, donc on a, je pense, quasiment terminé la présentation d'OBS Studio. Simplement encore un petit détail peut-être, quand si vous allez dans Paramètres ici, vous allez pouvoir au niveau des raccourcis clavier définir des raccourcis clavier. Alors, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme raccourcis clavier, hein, qui vous permettent de démarrer l'enregistrement et d'arrêter l'enregistrement. Donc par exemple, moi c'est CTRL F6 et CTRL F6, c'est le même, hein, puisque de toute façon c'est voilà, vous pouvez utiliser la même commande pour arrêter et démarrer. Donc si maintenant je fais CTRL F6, vous voyez, je vais pouvoir démarrer l'enregistrement et donc aller dans ma présentation ici. Et quand ma présentation est terminée, en fait, j'aurais dû d'ailleurs même d'abord, je vais faire un nouveau CTRL F6 ici, arrêter ma présentation. J'aurais dû d'abord aller devant ma présentation, faire un premier CTRL F6. Alors bon, vérifier que ça fonctionne bien, hein,
que vous êtes bien en train d'enregistrer quand vous le faites, hein, il ne faut pas vous planter. Donc là, par exemple, je ne suis pas en train d'enregistrer, vous voyez, démarrer l'enregistrement est actif, donc je viens ici, je vais faire un CTRL F6, et donc là, je fais mon enregistrement. Une fois que mon enregistrement est terminé, je refais CTRL F6, et donc j'espère que normalement, je suis arrêté ici, donc c'est très bien. Si je vais dans, de nouveau, regarder où est ma souris, voilà, elle est ici, mais j'aime, voilà, hop, si je vais de nouveau regarder ma vidéo, donc là, je fais mon enregistrement. Une fois que mon enregistrement est terminé, je refais CTRL F6. Donc là, je fais mon enregistrement. Voilà, une fois que mon enregistrement est terminé, je refais. Je n'ai pas besoin de repasser par le studio pour arrêter mon enregistrement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bonne vidéo.